Bataille pour faire cesser le vin un pays libre, sans drogue, y intensifier, là que l'État et l'Église peuvent montrer leur engagement et travailler ensemble pour faire une différence. Un comité qui inclut dirigeants et représentants plusieurs la fois de pays, Thibault Matin présente président James Michel avec une déclaration contre l'habit bonne substance. Président Michel, il salue sa l'initiative. Présentation sa déclaration Tiffany State House dans la présence du Conseil bonne ministre. Président James Michel est présenté avec une copie sa déclaration sur version anglaise par membre de sa comité qui inclut dirigeants et représentants plusieurs la foi religieuse et l'Église d'un pays. Un comité qui appelle Interfaith Committee Against Substance Abuse. Sa déclaration y représente vision et l'engagement, ça que ça bon regroupement l'Église et la foi. En fait, tout regroupement la foi avec l'Église d'un pays est invité pour joindre sa comité. Mais c'était pas de répondre à l'appel. Pendant sa rencontre State House, en présence du Conseil ministre, sa comité exprime son engagement et volonté pour travailler avec le gouvernement pour éliminer la drogue dans le pays, un fléau qui peut continuer à affecter et ronger nos populations, en particulier la jeunesse cécelois. Pasteur Alex Exparon, qui peut représenter Pasteur Patrick Bijou pour Adventiste, l'étionnant sa comité annoncé qu'il sa l'initiative vient l'autre étape de la lutte contre drogue et qu'il se scelle tout quelque chose si possible malgré différence d'opinion et religion. Signati collective sa déclaration aujourd'hui, il passe dit c'est un symbole. Mais il représente l'engagement spirituel de nos nations, un rapprochement entre l'Église et l'État. Il représente l'opportunité unique dans la vie de la religion dans ces cellules pour travailler ensemble. Il y a un point de départ, nous avons des efforts collectifs et aussi un engagement de sa confession religieuse pour jouer un rôle plus actif dans notre communauté et notre district. Il surtout représente un engagement pour rendre ses cours plus haut. Là, qui tout bon croyant est costé, en nous aider à faire ces selles, venir à l'endroit côté vraiment bon et goût pour vivre. Ancien évêque anglican Frank Shanghim, l'été la BOMP, à cause que l'État y a impérativement besoin de travailler ensemble avec un regroupement la foi, religieux avec l'Église et aussi ben l'organisation non gouvernementale. Nous, côté la foi, avec les autres organisations, nous pouvons faire tout ce qui est possible pour réduire la demande pour drogue. Alors, ce que nous peut demander l'État pour faire, c'est qu'il pour réduire ce supply. Alors, les pas va rentrer, les yavana pas drogue, et nous qui peut travailler l'autre côté pour nous guérir du monde. Et on peut sauter aussi pour un drogue, mon paroline claire. Président James Michel a salué l'engagement et la volonté de sa bande dirigeante et représentant la foi religieuse et l'Église dans le pays pour sa initiative. Lui aussi exprime son envie de pouvoir un cessez-le libre et sans drogue. Ça la lutte contre sa fléau de drogue et la vie substance. Il parle de la lutte qui uniquement l'État qui devrait faire, mais la lutte contre tout le monde, toute la société. Il devrait travailler ensemble pour faire manière, pour nous gagner sa bataille contre sa fléau. Et aujourd'hui, je suis content qu'il ait sa déclaration qu'il a fait avec le gouvernement et qu'il emmène sa collaboration, son engagement, nos bons leaders spirituels. Et à travers ça, je crois la société en entier pour nous capables de combattre sa fléau. Sa comité interne religion contre l'habit substance dans ce sel, il y a l'initiative de l'organisation non gouvernementale CARE, Campaign for Awareness, Resilience and Education Against Substance Abuse. CARE est un facilitateur pour regrouper sa bonne différente la foi religieuse et l'Église. Et ce travail a commencé bonnet à l'année.